premier proverbe, restez tranquille, c'est meilleur remède. Donc tout le monde sait, on reste à la maison, restez tranquille. Puis ça va faire du bien à tout le monde finalement. C'est pas parce qu'on a peur, c'est parce qu'on est prudent. Et la prudence, pas de bravade, mais c'est une belle vertu. C'est beaucoup d'intelligence dans l'action, de la foi, bien sûr, de l'espérance. On ne commence pas à s'affoler. Et puis de l'amour. Ne pas avoir contact avec les autres, ne pas les toucher, ne pas, etc. Ce sera pour nous une marque d'amour. Puis enfin, l'oisiveté à la maison, ben on oublie ça, on fait des actions, c'est le moment d'aller vers l'essentiel, et l'essentiel, vous autres déjà savent. Il n'y a qu'une façon d'arriver à bout de cette épidémie, en évitant les drames et la pénurie de place dans les hôpitaux. Restons confinés, restons chez nous, et respectons quelques petites règles pas trop compliquées. Lavons-nous les mains régulièrement, toussons dans nos coudes ou dans des mouchoirs jetables, gardons une distance raisonnable entre nous, même lorsqu'on va aider quelqu'un, puis les embrassades, on aura le temps, hein? J'espère. Protégeons nos aînés, protégeons les enfants, protégeons les jeunes, protégeons tout le monde, les gens qu'on aime et même ceux qu'on n'aime pas. On n'a pas à jouer, Pivé, les stars. Vas-y, Pékin, jouez, Pino.